Brigitte Macron était invitée dans les 12 coups de midi ce lundi 16 janvier 2023. Interrogée sur sa vie de couple par un enfant, la première dame a fait des confidences inattendues sur sa relation amoureuse avec le président de la République Emmanuel Macron. Brigitte et Emmanuel Macron filent le parfait amour. L'histoire du couple présidentiel n'est un secret pour personne, ils se sont rencontrés durant l'année scolaire 1992-1993, au lycée de la Providence à Amiens, alors qu'elle était sa professeure de théâtre. Quand tu es amoureux, tu ne choisis pas, a récemment confié le président de la République, dans l'émission Les Rencontres du Papotin diffusée sur France 2 samedi 7 janvier dernier. Ma femme avait 3 enfants quand je l'ai rencontrée et épousée. Donc, je les ai pris avec, a ajouté le chef de l'État. Pourtant, sa relation n'a pas été simple à faire accepter à ses parents. Quand ta femme est venue chez tes parents, comment tes parents l'ont perçue ? Lui a demandé un journaliste, atteint d'autisme. Au début, mal. Si est-il normal, au début, parce que je pense que tu t'imagines toujours pour tes enfants un schéma de vie qui est le tien ou le schéma d'une certaine norme. Les tourtereaux ont fini par se dire oui en 2007, à la mairie du Touquet. Et depuis qu'Emmanuel Macron a pris la tête du pays, ils tentent tant bien que mal de préserver leur vie de couple. Je suis marié avec quelqu'un qui travaille tout le temps. Brigitte Macron s'est à son tour confiée sur sa relation amoureuse avec Emmanuel Macron. La première dame était en effet invitée sur le plateau des 12 coups de midi, ce lundi 16 janvier 2023, à l'occasion du lancement des pièces jaunes. Bonjour Madame Macron. Bonjour Jean-Luc, moi si estime Maxence. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez le temps de faire des choses en amoureux avec Emmanuel ? Lui a demandé un enfant. Et Brigitte Macron de répondre, on a des rites de temps en temps. On va au restaurant, on rentre à pied, on se promène beaucoup. Pas toujours de jour, parfois de nuit, parfois avec un bonnet. On va au théâtre, au cinéma, on essaie un petit peu. Malgré leur emploi du temps chargé, Brigitte et Emmanuel Macron font tout pour se libérer du temps, afin de profiter l'un de l'autre. Je suis marié avec quelqu'un qui travaille tout le temps donc le problème est d'essayer de lui faire fermer ses dossiers, a poursuivi la femme du président. Mais on a des rituels et comme on est une famille nombreuse, on a tous les mois un anniversaire et on fait tous les mois un anniversaire tous ensemble. Des moments de retrouvailles, auxquels ils tiennent particulièrement.